Bienvenue dans cette vidéo explicative de la X170 de chez Drift Innovation. Donc nous allons d'abord nous intéresser à la caméra. Alors nous allons déballer ensemble le produit. Donc alors, la caméra, donc on peut tout de suite remarquer qu'elle a un look assez fun, assez moderne, avec sa couleur orange. Donc c'est une caméra qu'on dit tout en un, parce qu'en fait il y a une caméra, un enregistreur, des piles et un écran de contrôle qui sont fournis. Donc cette caméra, elle a un angle de 170 degrés, une lentille rotative à 360 degrés, ce qui nous permet de bien contrôler l'horizontalité de la caméra et des prises de vue. Elle est étanche à 0,5 m, donc on voit que même la prise de son est étanchéifiée. Elle a un écran de contrôle de 3,5 cm. À l'arrière, elle a un petit clapet qui est vraiment très facile à ouvrir. On voit qu'il y a un port mini USB pour brancher la caméra à l'ordinateur, un port AV pour brancher la caméra à un téléviseur. Ici, il y a l'emplacement des piles et entre les deux, il y a l'emplacement de la carte SD. Donc comme je viens de vous le dire, la caméra est fournie avec un câble USB, un câble RCA donc pour la télévision. Elle a une autonomie d'environ 2h30. Elle fonctionne donc, comme je l'ai dit aussi, avec des piles alcalines, mais toute l'équipe de Studio Sport vous conseille des accus rechargeables. Elle fait 133 mm en longueur, 50 mm en largeur et 33 mm en hauteur. Elle fait environ 128 grammes. Donc maintenant pour les aspects un petit peu plus techniques, si je puis dire, elle filme en 720 par 480 à 30 images par seconde. Donc on a la possibilité de choisir le mode de compression aussi, ou en Motion JPEG ou en DivX. Et on a aussi le choix du format d'image, ou en 4 tiers ou en 16 neuvième. Donc cette caméra ne fait pas seulement des vidéos, elle fait aussi des photos. Donc c'est un mode photo en 5 mégapixels. Toutes les vidéos et les photos sont enregistrées donc dans sa mémoire interne qui est de 32 MO. Ou alors, comme je vous l'ai déjà montré à l'arrière, il y a aussi l'emplacement pour une carte SD. Donc on peut y mettre des cartes SD jusqu'à 16 Go. Donc maintenant nous allons voir les différents accessoires de cette caméra X170. Donc nous avons une télécommande sans fil qui peut déclencher et arrêter les vidéos très facilement. Donc la petite télécommande, elle fait 52 mm en longueur, 40 mm en largeur et 13 mm en hauteur. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment toute petite. Elle pèse que 19 grammes et on a la possibilité de la porter au poignet via une fixation. Il y a le câble RCA, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour brancher votre caméra à votre téléviseur. Il y a aussi le câble USB, donc pour brancher à l'ordinateur, et là le port mini USB pour brancher à la caméra. Il y a la fixation guidon. On a aussi tout un pack de fixation. Donc à l'intérieur, il y a la fixation masque, la fixation casque et une fixation bandeau. Une fixation universelle aussi de 8 mm.
Et évidemment, les piles. Et enfin, le manuel en français. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans ce pack de la X170 de chez Drift Innovation.